Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Fighter. Si, j'espère que je ne me suis pas planté, je plante toujours dans le nom Fighters ou Fighters, enfin Fighter. Si, pour moi c'est Fighter Z, mais on verra bien. En tout cas, nous sommes ici, nous devons aller là. Pour ce faire, je pense que je vais faire clac, 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 et on arrive vers le boss, donc c'est pas bon. Clac, clac. Non, ça me fait revenir sur mes pas. Clac, 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 clac. C'est bon, on a que ça à faire. C'est parti. On va aller voir notre didacticiel numéro, je sais pas combien, 8 millions à peu près. Plus Zeni gagné niveau 2. Bon, moi c'est cool, j'ai mis Zeni victoire plus. On y va, c'est la fête du slip. Vous le savez, rien ne m'intéresse plus que l'argent. C'est fait triste de dire ça comme ça quand même. Mais bon. Oh, Nappa, qu'est-ce que tu vas me demander? Et le respect dans tout ça? J'ai déjà fait tout ça! Ah, ça y est, c'est fini. Ouf. On t'éjecte. Oh, t'as du bol. Allez, hop, c'est parti. Des dégâts. Dans la grotte. Ah, dans la grotte, d'ailleurs, ça devrait être intéressant de voir comment ça se termine avec un finish balèze. Enfin bon. Alors si je me trompe pas... Ah, il y a une portée. Alors la descente du coup, tu l'as fait comment? D'accord. T'as bien un petit... Ah oui, ça c'est cool aussi. Alors, par contre... Qu'on finisse bien. Ah merde, j'allais dire qu'on finisse bien, mais non. J'ai quoi? Maken Ketsapo, normal. La grenade infernale, d'accord. Et la grenade lumière. Donc la grenade infernale. Infernale, d'accord. Va faire mal. Infernale, ça va être quoi? Ouais, ça va être ça, forcément. C'est stylé, cela dit. Ah, il se charge! La peau! Il est tellement parable. Oh, il se l'est bouffé quand même. Vive les IA moisis. C'est parti. Et donc... Ah oui, merde, je viens de la refaire. Oh. Je suis pas sûr qu'elle ait touché la deuxième. Par contre, t'es vraiment pas... réactif, hein. Espèce d'IA moisie. Hop, on va bien voir ce que ça fait un destructive finish là-dedans. Je suis curieux. En termes de... Ah d'accord, tout simplement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, on n'a pas touché à Tenshinhan. Je viens de me rendre compte. En même temps, il est que niveau 2, il va prendre tellement cher. Waouh, on a quand même gagné plus ou moins 50 zénies en plus, c'est pas rien. Au bout de 20 combats, on aura gagné 1000 ennemis, une capsule en plus. Par contre, si c'est le même didacticiel, ça va être lourd. On est au chapitre 6, je crois, et on a encore que des didacticiels partout. Ah oui, ça c'est des trucs aléatoires. En fonction de qui vous avez dans l'équipe.全然悪いやつって感じしねえもんな。確かにかつてのジャークさは欠片も感じられないな。知ってっか？ピッコロのやつ、コアンたちが留守の時はパンの子守りしてんだぜ。パンをあやすもおむつ替えるも、うまくなったっていうし。補充してる、クッシーで、ドゥエ、ケタロン。作り方までもう完璧なんだってよ。 ああ、ピッコロがおむつ。
どっちがパンの祖父かわからないな。そうなんだ。父もピッコロの方がオラよりじいさんらしいって言ってるよ。そうなんだよじゃないだろ。実の祖父が何を言っているんだ。それとピッコロが子守をしていることはあまり人に話さない方がいいと思うぞ。え、パフォ。まあそれはピッコロのイメージを守るためかな。Oh, la catastrophe. Ah oui, alors là, tu demandes à Son Goku de réfléchir, hein. Ça va pas marcher. N'oublie pas qu'il ne peut pas faire ça. Techniquement, il n'a pas de cerveau. Faut bien qu'il range ses cheveux quelque part. Les cheveux de Super Saiyan 3, quand ils sortent, en fait, ils sortent de son crâne. Hein. Donc, ils sont dans son crâne la plupart du temps. Il n'y a rien dans son crâne à part des cheveux. Ah là 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 là. Bon, allez, on va vaincre tout le monde avec Tenshinhan. On se balance des... Les défis. Hop là. Ah. Oh. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ce son. Alors du coup, si je fais ça... Ah non. C'était quoi ce... C'est quand même pas celle où il se clone. Parce que le Ikuayo, ça me fait penser à ça un petit peu en fait. On sait en faire quoi de cette attaque. Allez! Haikyuken attack! Si ce serait. Haikyuken! Bon, alors je suis un peu rouillé avec lui, je crois que je l'ai jamais utilisé véritablement. Voilà, attaque volleyball, ok, ça j'ai vu. Télékinésie, oui, d'accord. Dosa! Ojikezuita! Dosa! Ojikezuita! Faire venir Shaozu comme ça. Ah dommage, je sais pas ce que je voulais faire. Bon c'est pas grave. Et... Ah il est d'accord, il est pas. C'est pas du tout mon personnage favori hein. Alors, maintenant qu'on est full charge... C'est la seule raison pour laquelle j'avais déjà joué. Et voilà, il a même pas le droit à un destructif finish en faisant ça. Voilà pourquoi Tenshinhan ne va pas rester parmi nous. Oh si, on va le refaire, vous allez voir pourquoi il mérite d'être chez nous. Ah, 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 bonjour. T'es pas là auparavant. Je vais vous montrer pourquoi Tenshinhan, au-delà de la blague de Shao. Diven no kuron to yu no wa, fushigi na mono da na. Kao ya katachi dake de naku, chikara made onaji to wa. Da ga... これ以上の修行相手はいない。自分と同じ戦い方をするのであれば、俺の弱点も知ることができる。お前を倒した時、俺は今の自分を超えたということになるのだからな。俺が武道家として一段上に行くために、お前には踏み台になってもらうぞ。さあ、どこからでもかかってこい。おい、ボン。Faut quand même qu'on comprenne que c'est quand même les meilleurs des humains, hein, au-delà de ça. Hein. Voilà, d'entrée de jeu, hein, c'est histoire de... A chaque fois j'oublie que c'est vers le bas. Ah ! Allez, reviens, refais le mêlée.
peux pas le refaire. Hein. Là, il l'a fait, et là, j'étais prêt. Parfait. Et ça qui est bon. On va se faire un personnage par... Ah! C'est très très lent. Il a sauté dedans, quoi. Vibria. Ah! Oh, je pensais pas que ça allait continuer après le... Vraiment, il la bouffe, là, parce que c'est auto-guidé. Ah, vache, il a tout pareil. Dégage. Bon, il va être temps de montrer pourquoi Tenshinhan est encore... Enfin, la blague de Tenshinhan. Il a un copain qui se sacrifie et l'autre, il en a... Et Tenshinhan n'en a rien à faire de sa vie. Vous allez voir. Non, mais je voulais pas faire un chain, je voulais... Bah, bon, on charge. Mais oh, le respect. Non. Ouais, bon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. C'est long à faire. Ça, c'est crappy. Ok. Juste pour voir, du coup, sans me tromper. C'est le Néo qu'on va faire, voilà. Néo, qui est aussi le chat de mon meilleur ami. Aïe. On sent qu'il est à un niveau inférieur, il fait pas de dégâts. Et par contre, il s'en prend énormément. Boum! Et là, est-ce qu'il a le droit à un destructive finish? Même pas! Et vous avez pu voir que ça a dû me faire quelques dégâts, je pense. Bon bah, Tenshinhan, je suis désolé, tu vas devoir disparaître dans le néant. Malheureusement. Toutes mes condoléances. Tu vas devoir disparaître. Ah, on va prendre... On va prendre Yamcha, qui est quand même assez balèze. Même si c'est pas du tout ma tasse de thé. Et d'ailleurs, on va affronter Yamcha avec une puissance d'attaque niveau plus en termes de... Ah, de... Oui, pourquoi je l'ai déjà? Je peux en mettre plusieurs. Je peux les stacker. Alors je peux te dire comment, ça s'appelle finir l'histoire, mais bon, on n'y est pas encore. そんなこと言わずにさ、元神様の力みたいなので、なんとかならないのか？そんなもので道にかなるなら、とっくにやっているに決まっているだろう。元神様と言っても、意外と大したことないんだな。 Alors ça par contre c'est une claque dans le système des religions occidentales très 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 violente. Même non, sur les religions en règle générale. Ah pardon. Et boum! Oh, ça enchaîne! Ça enchaîne! Oh! Ah, ils sont que deux! Oh, ça aura pas être drôle. Bon, on va finir rapidement. Regardez ça! Ah, ça y est, tu réagis! Zéro temps de réaction, quoi! Ah, je l'ai pas vu venir le. Allez, et tu dégages. Ah, toujours pas. Bon. Dégage. Oh, ça fait deux fois que je me fais avoir. Je m'en souviendrai la prochaine fois. Bien joué. Voilà, dégage, merci. Il faut quand même que je rende ça un minimum intéressant à regarder. Vu que je suis pas bon. On a qui on a. Ah oui, d'accord. Bon, je vais lui montrer ce que ferait le vrai Yamcha. Voilà.
Hop là. Dégage. Je suis sûr qu'il est il est castable pendant un combo. Clairement. Sans la moindre hésitation. Alors, je connais pas les termes de versus fighting, malheureusement, chers amis. Hein. Je suis désolé. Mais bon. Ça n'empêche que je vais essayer de faire de mon mieux pour vous divertir. Hein. N'est-ce pas? C'est mon rôle, après tout. Pourquoi pas? Ouh. Gagner en puissance. Qu'est-ce que tu veux me proposer comme... comme putain de didacticiel à la juste fin du niveau? Je comprends pas. Deux poches toi là. Bougez tant que. Un combo à 10 coups. Ah! Ah la vache! 10 coups! Bah j'en vois qu'un, hein. Ça te va comme ça? Ah, je m'en doutais. C'est pas ça que je veux faire. Mais non! Voilà. Ah, c'est fait. Et s'il m'en demande un à 30 coups, je vais pouvoir le faire. Ah, raté. Ah bah j'ai fini. Génial. Je suis pas si mauvais que ça, finalement. Bon, par contre, c'était pas spectaculaire. Hein. C'est là que j'ai vu que je faisais beaucoup de dégâts, quand même, avec un niveau de différence entre les deux. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Bon, bah voilà, full life pour tout le monde. Mais pas encore arrivé au boss, je suis déjà full life. Yamcha, le personnage de la puissance, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre terme. Hein. C'est fou à dire. Et pendant ce temps-là, il y a l'autre qui s'excite au niveau 10, là. On continue, on va faire tout le tour. N'ayons pas peur. Ah, je me disais quand est-ce que ça allait arriver. Le solo face à ça. Je veux dire, sachant que c'est la quatrième fois dans cet épisode ou la troisième fois que tu combats un de tes propres clones. J'aimerais tellement qu'il puisse combattre avec cette tenue, mais bon. Malheureusement, ce n'est... quand il combat, il est censé enlever la cape. Donc... C'est legit. Par contre, j'aimerais bien qu'en début de combat, comme il le faisait dans certains autres jeux de combat Dragon Ball, il enlève justement la cape. On le voyait jeter dans certains jeux la cape. Et là, vous voyez, il n'y a pas de... T'es déjà cave, bonhomme. Il laisse le temps de charger, ce qui va me permettre de le finir simplement. Hein. Et de 1. Attends, on va pouvoir voir à quoi ressemble le monde une fois détruit. Ça va. Bien joué. Ah bah je préfère ça. Oh. Si je peux le faire, hein, si tu veux. Et hop, on finit avec une deuxième fois. Jusqu'à ce que... Hein, rien à foutre. On va détruire le monde jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Désolé. J'aime bien, je fais ça à droite, ça part à droite, là, je fais ça. Oh, il y a avec deux.
Oh, Bou! Ah non, pas Bou, parce que Bou il est pas dans l'équipe, mais. Mais quand même. Oh, la déception! La déception! 13 tours restants, on est très très large. Ça pour de l'XP en plus. On y va, c'est la fête du split. Bon, on va prendre Piccolo, cette fois-ci on fait tous les adversaires avec Piccolo. C'est la fête du slip. On n'en peut plus. Oh. Voilà, un combo. Oui. Bonjour. Voilà, 20 coups. Bien joué. Bon bah, ça va être très rapide. On va faire tous les déficiels. Oh. Oh, hey. Le respect dans tout ça. Ah, mais... J'ai fait un parfait, mais j'ai pas réussi mon maître des combos niveau 30. Enfin... Oh. Merde, Crédé. Bon, il m'a quand même donné des points. C'est la déception, j'aime bien finir les choses. Ok. Bon, ils sont tous niveau 10. Il devrait rendre les choses un peu plus difficiles. Bonne chose. Niveau 10, peut-être qu'en plus c'est un jalon où là l'IA va peut-être se réveiller pour de vrai. Ça pourrait être sympa tout ça. C'est parti mon kiki. Oh, bon, si on commence avec un Krilin, ça devrait aller assez vite. Quoique. Ah. D'accord. Ah, c'est pas pour ça. Alors, Krilin. Oh non. Bien joué. C'est dommage que malgré tout, ouais. Pas trop mal. J'allais dire que je puisse pas quand même, avec le dernier coup d'un combo, renvoyer. Bien joué. Bon, c'est utilisé. Les assistes, excusez-moi. Il récupère ses PV. Une vitesse grand V, regardez ça. J'arrive pas à faire ce que je veux. Et je vais le louper parce que là il est resté en vol. Dégage. Je déteste. Dégage. Dégage, voilà. Hop, c'est bon. Cell. On va t'envoyer le meilleur combattant de France. Enfin non, du monde, pardon. C'est un des meilleurs humains. Ouais, est-ce que c'est le meilleur humain? Je sais pas si on peut considérer Tenshinhan comme un humain. Je me suis jamais renseigné sur pourquoi il avait un troisième œil. Ça finit, génial. Oh bah, la transition est un peu violente. Je puis me permettre. On voyait la forêt d'une seconde, d'une frame à l'autre. On a vu la flotte avec ça. C'est dommage. Oh. Alors le jeu. En plus le combat était pas. Hein. Ça va aller, Krilin, t'inquiète. Ah, merde. Il est con. Ah, tout ira pour le mieux. Mon nouveau colocataire. D'ailleurs,
Quand il fait ce rire là, c'est qu'il n'est pas convaincu. Merci de me le rappeler, maintenant c'est moi qui suis en dépression. Bah oui, on est déjà super potes, Krillin, t'inquiète. Mais c'est pas le... Mais ça me saoule. J'arrête de le répéter. Il a été reconstruit, donc c'est pas C16, c'est une autre version de C16. Allez, ça percute.設計図か何かを元に作り直された16号じゃないかしら。ああ、さっきやら、ペクテ。でもよ、あいつ目と別人っていうわけでもなさそうだったぞ。そこなのよね。作り直されてはいるけれど、元の16号の記憶もある。 C'est rigolo, ça va très très bien avec la série que je suis en train de regarder en ce moment. Altered Carbon, là, je sais pas comment on le prononce, je suis désolé. Avec le principe des piles, mais bon, c'est pas grave. Ça correspond plus ou moins hein, avec les sauvegardes à distance que les riches peuvent se payer, etc. Intéressant. Ouais, c'est marrant que ça corresponde. Oh, du coup, chapitre 8, ok. Eh bien écoutez les gens, on va regarder quand même si on a chopé quelqu'un de plus, non. Du coup, on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Et ensuite, je vous retrouve pour la suite de l'histoire, voilà. Alors bientôt vous aurez du Dragon Ball tous les jours, pour aller plus vite dans le développement de ces séries qui sont assez longues et qui ont un but de démonstration d'histoire, tout simplement. Voilà. Salut les gens!